Yo tout le monde, c'est Starvio, j'espère que vous êtes tous très bien, moi ça va super bien. On est parti pour une nouvelle vidéo sur l'aventure des trois fermes. C'est aujourd'hui que le défi de l'année va commencer, donc on va voir qui va prendre de l'avance. On est parti, juste après l'intro. Donc les amis, j'espère que vous êtes tous très bien, moi ça va super bien. Pour cette vidéo, je suis accompagné de Dylan, de Borom, de Nico et de Zero. Salut. Salut à toi, salut, salut. Vous allez bien? Ça va, écoute, ça va. Et du coup, petite annonce pour vous dire que du coup, Borom est dans la team, les gars. Donc, voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire, bienvenue Borom, ça lui fera plaisir. Donc voilà, alors du coup, nouveau défi, enfin, nouveau défi, le défi déjà, et commence du coup à partir de maintenant, qui est du coup le défi de laine. On va devoir faire du coup 40 palettes de laine. Je rappelle vite fait que les gagnants, du coup, donc le premier gagnera une moissonneuse ou une ensileuse avec la barre de coupe, donc gratuitement. Le deuxième, un panneau solaire, donc je vous montre lequel c'est. C'est un panneau solaire qui vaut 200 000 euros, c'est pas n'importe lequel, hein, c'est un panneau solaire qui rapporte quand même pas mal de thunes, on va dire. C'est ce panneau solaire là, les gars, 212 000 euros. Et il rapporte 500 euros par heure. Donc en vrai, c'est quand même pas mal. C'est à peu près autant que les lapins. Et du coup, le troisième perdra 40 moutons. Mais du coup, comme Jérémy n'est pas là et c'est pas Borom qui va dire bon, du coup, je m'en enclos, vu que c'est quand même la ferme de Jérémy. On verra si la semaine prochaine il commence. Ou alors vous verrez bien du coup ce soir si je suis en live. Si Jérémy est là, bah du coup, il verra s'il passe les moutons. Donc voilà. Du coup, c'est bon, on est parti. On se retrouve à la fin pour débriefer de tout ce qu'on a fait. Ok, donc du coup, je suis donc avec Dylan et Nico. Comment ça va, les gars? Ça va et toi? Ça va nickel, ouais nickel. Bon alors du coup, ceux qui ont vu, on a bah du coup allez du coup aux occupations, Dylan et Nico, ils ont pas mal de on a pas mal de semis à faire, enfin du coup vous avez pas mal de semis à faire. Et yes. Bah du coup vas-y Nico, je te vois partir, allez, va travailler. Et donc du coup, alors les amis, on a fait un live, on a fait pas mal de live et du coup il s'est passé pas mal de choses. Donc déjà, on a des enrubanés bleus, vous allez dire mais qu'est-ce que c'est que du coup on a acheté une enrubaneuse, les amis, on a 48 000 euros. Et du coup on s'est acheté l'enrubaneuse, je vais vous la montrer. C'est une petite enrubaneuse, elle vaut 53 000 euros. C'est le même prix les amis que celle de base. Donc c'est une dot, voilà, c'est une petite dot ici, donc on se l'a acheté. Il y a, en vrai elle est stylée, parce que genre je crois qu'on a jamais vu d'enrubaneuse avec des couleurs différentes comme ça. Je crois qu'il y a du bleu, il y a du jaune, il y a, ah, c'est bien, t'as le choix. Ouais mais c'est stylé, enfin voilà, ça change d'habitude. Et puis quand même vaut le même prix que celle de base, on s'est dit bah pourquoi pas. Donc voilà, ce qu'on a fait aussi c'est qu'on a terminé le maïs. Du coup Dylan avait semé du maïs du coup dans l'épisode de la semaine dernière. Le maïs du coup a eu le temps de pousser vu que j'ai fait 2-3 lives. Du coup bah on a déjà, merci beaucoup parce qu'on a dépassé les 200 000 abonnés. Et ça vraiment c'est énorme, merci beaucoup. C'est ouf, voilà, merci beaucoup. Du coup là donc, on a fait un live, on a récolté le maïs. Donc le maïs du coup est dans le silo, on va pouvoir le recouvrir les amis. Donc là je vais lui ranger du coup ma cuvalisée. Ce qu'on va faire, on va aller pulvériser les mauvaises herbes. Les chevaux on va les vendre parce que du coup alors faut penser qu'il y a le défi de coton qui commence, de laine qui commence. Et il y a aussi le défi du million. Bon on est un petit peu loin je vous avoue, mais on va y arriver je pense. Non en vrai, je pense Et aussi faut qu'on dégage la fumière. Alors voilà, oh, bien, la fumière, mais cette fumière faut qu'on la dégage. Alors en gros les amis, le fumier j'en ai vendu pas mal quand même. Ça, alors tout a repoussé parce que j'ai avancé le temps une nuit et voilà, enfin ça a déjà tout remonté à 100%. Mais je crois qu'il y a plus grand chose. Il y a 113 000, voilà, je n'ai pas tout vidé mais pratiquement. Donc j'ai tout vendu, j'ai vendu le maximum possible. Pour en vrai j'ai dû gagner vraiment même pas 5 000 euros avec tout le fumier, parce qu'il y avait 200-300 000 de fumier. Donc ça rapporte vraiment rien. Donc je vais le vendre et à la place, on va placer un bâtiment pour ranger les, enfin pour les bottes, parce qu'on n'a pas de bâtiment pour les bottes, on sait pas trop où les mettre. Donc voilà. Alors attends, déjà je vends le mien. Nico, si en vrai t'as des idées, tu me dis comme ça. Même Dylan, ouais, Dylan, si jamais je finis de semer mon champ, puis je m'attelle à ça, je regarde ça. Hop, voilà, ok, donc c'est bon. Après, j'ai mis des décorations, Dylan, j'ai mis des spots qui sont sortis sur le mode up là. Déjà, je vous ai mis sur mon site, c'est des spots. Et en vrai, on peut faire des charges, je sais pas, une petite allée bien sympa ou décorer un peu la ferme. Ça peut être plutôt sympa. Voilà. Le Renault, il va dégager. On sait pas tout de suite, je sais pas trop parce que je sais pas qu'est-ce qu'on va mettre à la place. Il y avait un Ford que je comptais m'acheter, mais parce que le Renault, bah, comme on dit, hein, il vaut beaucoup trop cher. J'ai mis un CAD sur le serveur. Ouais, le Ford, je crois que c'est celui-là que je voulais acheter. Après, il y a un CAS. On a parlé en live qu'on voulait s'acheter un CAS Vexum. Ça c'est Vexum hein, ou oui c'est ça Vexum, mais c'est les petits cases. Non les Optum, ah le petit, ah oui non, les petits. Justement pour remplacer le Renault, je pense que ça aurait été stylé. Attends mais justement je vais vérifier alors. Parce qu'en vrai j'ai mis un petit Ford, donc c'est pas les 6810 je crois. Si c'est celui-là, ah, si, ouais c'est celui-là, ok. Il fait combien de chevaux? Il fait 110 chevaux. Ah mais c'est énorme, on dirait pas. Ah on dirait pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On relevage à l'avant. C'est des tracteurs de tête d'époque. Oh mais attends en vrai, et mec attends, ça peut être vraiment stylé en fait. 110 chevaux, il vaut combien? Il vaut 18 000 euros, c'est pas si cher en plus. 18 000 euros. 100% pour. Bon, du coup, les amis, on prend le Ford. Alors, mec, attends, sans option, il vaut 13 000 euros. Hein. 13 000 euros un tracteur, c'est pas cher. C'est pas cher. Après, si je mets le relevage, par contre, ça augmente à l'avant. 100 euros, mais c'est tout en fait. Mais attends, mais pourquoi il va les. Attends, mais 13 000, c'est pas cher. Les garde-boue, ça vaut un peu cher, mais est-ce que vraiment les garde-boue, ça vaut. Ouais, bon, ouais. Non, pas sur un. Enfin, je sais pas. Sur un Ford, ça fait bizarre les garde-boue. Non, mais sans garde-boue. Équipement forestier. Attends mais il y a beaucoup trop. Oh mais mec il est magnifique. Bon ça va pas du tout avec nous mais équipement forestier, tu peux foutre des barres métalliques qui protègent la cabine et tout. Configuration de plaque de matriculation, on s'en fout. J'ai fini de semer. Nice. Et après le pot aussi, ouais.
plus 0 euro. Ok, sans autocollant. Et mec, il y a beaucoup trop de trucs. Il y a un autocollant Michelin. Oh, autocollant farming. Viens, on met un autocollant sérieux. Et autocollant Michelin. Vas-y, let's go. Donc 13 150 euros. Nouveau tracteur, on l'achète, les gars. Avec, voilà, bah, lui sympa. Comme ça, je vais aller pulvériser avec, t'es au passage. Donc en fait le Renault au final. Bon les amis, le Renault lui dit au revoir du coup les gars. Je pense ouais voilà, ouais on le vend. Il aura fait 11h dans la ferme. Oh pardon Nico. Oh Nico qui revient. Le choc de génération quand même. Le petit Renault et ouais, il fait l'arrivée avec un gros tracteur. D'ailleurs au passage, je vous ai fait un vlog jeudi. Merci vraiment beaucoup pour tous vos retours. Que vraiment alors je pensais pas que ça allait être un vlog qui allait se passer comme ça. Je vous avoue, quand je l'ai tourné, j'allais le tourner en mode vraiment voilà, petite vidéo vraiment sympa. On va passer le vibro, on prépare les terres et tout. Et au final, c'est terminé que j'ai eu des pannes, enfin, j'ai eu des problèmes. Donc, n'hésitez pas à aller voir le vlog. Nico, je sais que tu m'as dit que, enfin, même toi, Dylan, vous avez kiffé le vlog, vous avez dit. Ouais, après, génial bah, pour. Ouais. Donc, en vrai, merci. Hein. En vrai, c'est cool. Je sais pas, parce que bah, après, j'avoue que c'était pas marrant sur le coup. Mais, ah, nickel, zéro crash, c'est cool ça. Donc, ouais. Du coup, le Ford, les amis. Non, pas le Ford. Alors, le Renault, on le vend, mais je crois qu'on le vend vraiment pas cher. Hein. Mais bon, on le vend 3500 euros. Ouais, ouais, bah c'est toujours ça de gagner. Ah ouais, enfin 3500. Donc voilà, vous marquerez au revoir le Ford hein, dans les commentaires, les gars. Je compte sur vous. Oh, le relevage, il est d'autres couleurs. T'as vu le... Oui, le Renault, ouais. Non, le Ford dans le cas. T'as vu les styles, le relevage. C'est pas celui que je pensais, moi, tiens. Mais c'est celui-là, mais j'ai juste mis le relevage. Après, on peut le mettre sans relevage. Mais il c'était 150 euros. Que... Non, mais moi, je trouve qu'il est joli. Ah, regarde avec le petit bibendum là dessus. Oh par contre, il lève carrément. Ah! Oh putain! Attends, ah, il va falloir acheter. Il va falloir mettre une masse là. Alors, les amis, une petite masse. Y'a pas des masses exprès? C'est quoi ça? Ah, y'a un bumper et tout. Attends, le là-dessus. Alors, en masse, par contre, qu'est-ce qu'on prend? Parce qu'il faut un truc qui soit sympa. Un truc mais... assez lourd, à mon avis, parce que là. Sinon, je prends une masse. Alors, y a... bah, sinon, celle de base, mais ça fait moche, non? Au pire, une ago. Ouais, si, je la prends en rouge, ça passe, tu passes. Rouge, non, c'est pas. Ah non, par contre, si je prends une grise. Bon, j'en prends une grise de 2 tonnes 300, ça fera l'affaire. J'espère que 2 tonnes, je pense, ça devrait le faire. Bon, oh non, en vrai, il lève, ouais, mais. Oula, mais il est puissant. What? Oh, mec, il est vénère le fou. Attends, je décroche parce que c'est impossible de gérer ça. Nickel. Attends, je te mets. Ah, allez, du coup, c'est parti. On va accrocher ça avec le magnifique relevage, en vrai. Bah, dites-moi, du coup, c'est un commentaire, vous le trouvez beau ce tracteur? Hop là, prendre 2 tonnes, du coup, il va lever le nez. Mais c'était. Y'a rien c'est ce que j'allais le truc qui lève de l'arrière et maintenant. Tu parles, tu parlais tranquille, tu menais ta meilleure vie et le tracteur il s'est levé du cul. J'ai dit bon, ça c'est nickel. Non, en vrai, ok, bon, alors comme oh, ça, ça va. Oh putain, bon, j'y vais. Excusez-moi les gars, bon, ça met un petit peu de bonne humeur, on va dire. Voilà. Alors, bon. Mec, par contre, moi du coup, je vais placer un bâtiment à la place vas-y, de la vas-y, ouais, du coup, vas-y. Et du coup, Dylan, tu pars pulver. Ouais, ouais, je vais mettre okay. De l'engrais là. Vas-y, dans nickel. Moi, j'ai enlevé du coup de mauvaises herbes, les amis. Comme ça sera bon. Elle était où la fumière là? Attends. Je vais arriver. Pierre, attends, je vais aller modifier ça. En vrai, il est stylé, mec, le tracteur. Mec, l'intérieur. Oh, mec, il est magnifique. Bah, je vous le mettrai. Et en plus, il est sur mon site, je crois, il me semble. Il doit y être, à mon avis. S'il y est pas, je le mettrai, mais vraiment, n'hésitez pas à le DL. Il est magnifique en vrai. Je trouve vachement trop beau. Oh, t'as lissé en plus. T'as acheté le bâtiment? Non. Bah, pourquoi moins 6000 euros? Bah, c'est l'engrais. Ah, ok. Ça fait un peu mal cher, là. 6000 euros l'engrais. Par contre, ça va être bizarre, mec, avec ma masse. On dirait que la masse, ça va pour un gros feint ou autre chose, mais pas sûr ça. Mais bon. Alors, on va juste vider ça là. Par contre, il y aura des palettes partout, forcément. Bah, moi, du coup, j'ai bien trouvé un bâtiment qui est vraiment propre. En vrai, mec, ça va pas du tout. Mon Ford, il va pas avec ce truc. Ça, c'est dimensionné le bordel. Mais bon, normalement, ça va. Normalement, c'est avec une bennette ou un truc comme ça, mais pas ça. Allez, go. On est parti. Attends, j'arrive, j'ai passé devant toi. Donc on a du coup, alors les amis, on a ce champ là en soja. Donc dans la vidéo, on essaiera de récolter, mais on voulait changer un petit peu, que pas toujours faire la même chose en vidéo, que de la moisson, c'est toujours c'est chiant. Donc on va essayer de changer un peu. Putain, mes bottes, mec, les bottes bleues, ça fait bizarre en vrai. Je suis pas habitué. Grave. Mais ça fait stylé, moi j'aime bien, ça flash et c'est sympa. Par contre, faut qu'on s'occupe des moutons, ça faut qu'on fasse. Ah oui, le peu d'argent qui nous reste, je pense qu'on va s'acheter des moutons, parce que Zero va s'en acheter un peu plus. Regarde, non, je croyais que tu voulais le garder l'argent. Mais... Bah ouais, mais ouais, mais mec, il faut gagner le défi. Tiens, peut-être y aura du changement. Ouais, attends, oui, Nico, du coup. Pareil, en fait, je le vois, en fait, c'est en hangar, je vais te montrer après, mais genre, je le vois en longueur ici, qui prend un petit point ouais. Là. Et il vient ici. En fait, le bâtiment que je veux placer, c'est. Alors attends, tu vas dans. En cabane. Long... Alors, dans, cabane. Dans cabane. Vas-y, cabane. Donc, tu vas dans cabane, tu avances et tu vas jusqu'au Small Easy Shed One with. Side walls, mon anglais incroyable, à 8000 balles. Non, attends, c'est pas lui. Alors, celui d'après. À 20 000 shed, 20 000. Ouais, le small easy shed. Small easy shed, le ouais, 3. What, mais il est énorme. Bah, c'est pas grave pour mettre la paille, faut stocker. Ouais, c'est clair. Et tu verrais. Il est pas très cher et puis. Ouais, dans le coin là. Ah, comme ça, je pense.
Bah ouais, 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 en fait, ouais. L'entrée se fait ici, tu vois, entre le truc ouais, blanc je vois, là. Je vois, ok. Et okay. Puis le ici, puis il va en longueur, en profondeur. Et au moins, bah, il fait l'angle ouais, du champ. Ça, ouais, tu le colles le plus bas possible. Voilà. Voilà, ok. Mais écoute, c'est parti, tu peux le placer. Bah vas-y, je le place. Vas-y, let's go. Mais moi, je commence, les amis, à pulvériser, on est go. Et comme ça, on sera bon, on commencera du coup les moissons après. Et toi, faut qu'on range les bottes du coup. Merde, j'étais mon tracteur. Faudra qu'on range les bottes. Allez, on est parti, go pulver avec ce petit tracteur, le petit Ford. Vas-y, je te laisse pas. Je vais voir le bâtiment placé, on va voir. Ça marche. Non, en vrai, on va voir. Allez, attends, go. Et les chevaux coup. Faut qu'on monte les chevaux, les amis. Les chevaux, les deux chevaux valent. Alors, un qui vaut 49 000 euros, un qui vaut 46 000. Donc, vraiment, on va se faire 100 000 euros de chevaux là. Et du coup, non, pour l'instant, on va pas racheter. On verra si on en rachète. Dans tous les cas, ce soir, je serai en live. Donc, vous me direz si on rachètera des chevaux. On essaiera de voir ça. Et comme ça, vu qu'on a. Par contre, l'ensilage, je vais le tasser. Comme ça, on aura plus besoin. La rubanée, le seul rubanée qu'on aura, on le vendra en fait. Comme ça, ça sera bon. Parce que comme ça, on aura l'ensilage, on aura plus besoin d'en rubaner pour nos animaux. Donc ça, je pense que ça sera un peu mieux. Donc voilà. Il est pas si grand que ça, j'ai l'impression. Oula. Oh, tu l'as placé? Attends. Ouais. Alors, attends. What, le bâtiment? Ok. Ça va? Non, en vrai, ça va. Ça va, en vrai, bah, ça il va. Est propre. Vous avez pas vu les coupures, mais en fait on l'a placé deux fois. Non, en vrai c'est bon. Non, en vrai il est placé, mais il est placé à 6 km au plafond, donc on pouvait même pas y aller. Donc voilà en fait ce que ouais. Ça donne. En vrai ça va, il est grand et mec, tu peux mettre des bottes au fond. Mec, ça va être bien un endroit de stockage. Les gars. Oh, mais du coup, Dylan, un petit peu, là. Si jamais. Oh, c'est le terrain qui se change tout seul. Dylan, si tu veux décorer, vas-y, hein, let's go. Ouais, en avant. Il est en train là, il est parti, les choses. En plus, j'ai mis pas mal de décorations. Mais écoutez, du coup, je mets. Ah, je suis plus en tracteur. Allez, c'est parti du coup, en ego. Bah non, mais décourez-vous deux, si vous voulez décourez-vous deux, décourez. Ouais, oui, bah. Moi j'ai passé, moi je mets un petit peu d'engrais. Du coup, les amis, on fait une coupure. Je passe l'herbicide dans ce champ-là et le champ à côté. Et on se retrouve juste après quand du coup tout est mûr pour commencer la moisson. Ok, bon, ça y est, j'ai pratiquement terminé. Nico, du coup, met de l'engrais pour du coup faire la deuxième coup de fertilisation. Donc, le champ, logiquement, ça doit être un champ qui devrait rapporter le maximum d'argent. Comme je dis à chaque fois, il prend des fauchés. Mais ça devrait le faire. Vas-y, Nico, passe, vas-y. Comme ça, on est bon. En plus. Ouais, c'est du soja, donc en vrai, ça va être bien. Ça devrait être pas mal du tout. Vas-y, Nico, en avant. Voilà. Ah, il y a ça, j'en ai partout dans la cabine. Alors, par contre, les amis, je vais vous montrer un truc que Dylan avait fait et que je vous ai juste montré en live. Mais je sais qu'il y a des gens qui ne suivent pas les lives. Et regardez, vraiment, il a fait un truc de fou. D'ailleurs, le bâtiment, du coup, t'as décoré ou pas un petit peu que je vais voir? Non, pas encore, non, pas trop. On décorera après. Ou on décorera en live. Ah, ouais, d'accord. Alors, du coup, ouais, cette zone-là, du coup, on l'a déplacée. On l'a mis. Bon, on l'a mis là, du coup. La zone pour vendre. Donc, d'ailleurs, cette zone-là est sur mon site, si vous voulez, les amis, la voir. Et du coup, regardez ce qu'a fait Dylan la dernière fois. Il y avait juste un chemin. Il a décoré, mais comme jamais. Genre, regardez, il a foutu des petites fleurs. En vrai, mec, tu décores vachement bien. En vrai, je le sais, parce qu'on a fait une vidéo ensemble. Et voilà, tu vois. Mais en vrai, c'est stylé. Voilà, il a fait une petite déco ici. Et voilà, un petit arbre par-ci par-là, c'est vraiment sympa. Donc là, du coup, alors pour ce qui est de la laine, tu y en a qui vont me dire, mais Starvo, t'as le défi, j'ai pas la laine. Bah écoutez, il leur faut de l'eau. On va le faire, mais le problème, c'est que bah, il faut le temps. Hein, le défi, il faudra quelques jours avant qu'on le réussisse. Il y a pas, on va pas le réussir en une vidéo non plus. Donc voilà, par contre, Nico, oui. Enfin, Nico et Diane, il faut qu'on vende les chevaux. Que je les ai fait courir. Là, ils valent 50 000 euros chacun. Donc déjà, on va passer un coup de karcher. Enfin, un coup de karcher. Ah ouais, mais les mecs, il est dégueulasse. Attends, t'as vu, il est dégueulasse. Comment on le nettoie? Bah il veut pas se nettoyer. Tu as nettoyé le cheval ou pas? Ah bah non. Parce qu'en fait Nico, parce que genre quand tu nettoies, moi je le vois pas qu'il est nettoyé. J'ai jamais touché aux chevaux dans farming donc. Moi je peux pas le nettoyer. Bon on va dire qu'il est propre, ok. Et lui il est propre. Ok, bon ils valent combien? Ils valent les amis 47 000. Oh mec, il y en a un qui vaut 50 000 tourons et l'autre qui vaut 47 200. On les vend les gars, c'est parti, on va vendre les chevaux. Comme ça ça nous fera à peu près 100 000 euros donc on aura de l'argent. Parce que les gars le défi de... Il y a quand même un défi qui est en cours, qui du coup le défi d'avoir 1 million d'euros, donc on est un peu loin, mais bon. Voilà. Donc 96 000 euros, c'est parti, les amis. Et voilà, ça fait plaisir. Mais du coup, on a plus d'argent, mais c'est pas grave. En vrai, ça va, faut pas non plus dire que c'est de la merde, parce que je rappelle qu'on les a achetés 5 000 euros et la revente 50 000, c'est quand même plutôt pas mal, quoi. Il y a donc, de la laine à revendre, non? Bah, logiquement, la laine, du coup, on devait tout vider. Donc, ce qu'on fera, c'est que là, les palettes de laine qu'on a maintenant, là, il faut qu'on les stocke dans un. Bah, voilà le bâtiment qu'on a. Voilà le bâtiment qu'on a. On stocke la laine là. Et c'est un bâtiment de stockage. Voilà, bâtiment de stockage, donc c'est nickel. Donc moi j'ai fini de mettre l'engrais. T'es content quand même du bâtiment? Et mec, mais oui, mais carrément mec. Il est stylé. Ouais. Bah ouais, non, c'est de la. C'est... Non, va. Bah. Non, il est vachement. Non, parce que tu m'en avais pas parlé tout à l'heure, avec le bug. Mais non, en vrai, il est... Enfin, il est grand, il est bien. Ouais, non, mais il faut un bâtiment haut surtout. Il fallait un bâtiment haut. Ouais. Alors, du coup, donc on décroche ça, donc forcément mon tracteur va se lever. Parce que... What? Oh là les gars, mais c'est. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Mais mec, je peux rien faire parce que le tracteur il se lève direct. Alors c'est bon, je l'ai décroché la masse, c'est bon, c'est nickel.
Bon, du coup, vu qu'on allait moissonner pour l'instant, on va juste donner un petit peu d'eau mouton. On va. Allez, faut... Alors, faut qu'on recouvre, les amis, le silo dans silage, comme ça on sera bon. Et du coup, tout l'enrubané, on ira le vendre, comme ça, ça sera bon. Et du coup, ben, soyez là ce soir en live, parce qu'on a vu de l'enrubané, on va en faire, à mon avis, les gars. On va en faire un département enrubané, comme ça on ira tout vendre. Et ben, voilà, on sera nickel comme ça. Il me faut juste récupérer la masse après. Et après, il faut récupérer le clas, parce que le clas n'est pas vendu, hein. Je m'en suis servi pour préparer la terre. Parce que du coup on a dû semer avec le semoir pneumatique, enfin du coup Nico a semé, c'est toi qui as semé avec le Newland, Nico. Ouais, c'était passé tout à l'heure, ouais. Ouais. Hop, donc de l'eau, d'ailleurs, bah, du coup on donne un petit peu. Le 23 et le 33, il y a quoi dedans? Il y a toujours de l'herbe. Lequel? Le 23 et le 33. Non, ouais. Le 23, non, 33, il y a, bah 33, maintenant, non, c'est Dylan qui l'a semé le 33. Donc il y a des cultures, ouais, mais il est déjà à 100%, hein. Donc c'est bon. Il est déjà à 100%, donc on est nickel. Ouais, mais du le 23 coup, il est pas à 100%. Si, le 23. Ah non, pas le 23, le 33, pardon. Ouais, ouais, le 33, ouais. Et le 59, ouais. Mais après, c'est un prêt, hein, donc je sais pas si ça vaut. Ouais, si, si. Bah, j'y vais le plus vérifier. Ah si ouais, tu veux. Bah, comme, tu veux. Pas, c'est comme tu veux. C'est un prêt, c'est pas grand. Pour l'instant, de toute façon, on va avancer le temps, t'auras pas le temps. On va avancer le temps parce que sinon. Ah non, 69, et attends, bah non, je vais faire le 69, il est pas fertile. Vas-y, vas-y. Moi, du coup, j'en ai un petit peu de mouton. Dylan, du coup, tu décores encore ou tu fais autre chose là? Bah, je suis en train de faire un truc. Il y aura peut-être la place de remettre un petit bâtiment. Ah, nice. Bah voilà, bah, pourquoi pas. Alors, on va juste vider l'eau là. Allez, vide-toi. Oh, voilà, nickel, comme ça, comme ça va produire. Et ensuite, du coup, attends, là, les moutons, on en est où? Donc, eux, ils ont plus d'eau, et eux, ils ont encore de l'eau, donc on attend que ça vide. Voilà, mais écoutez, en fait, coupure, on se retrouve juste après pour commencer, les amis, la moisson. Les amis, on est de retour, c'est le matin, tout se passe bien, les oiseaux queen, comme ça, on est bon. Les queen, quoi. Vas-y, je vais commencer à les moissonner. Du coup, donc, j'ai mis de l'eau, les amis. Regardez comment ça parle mal, voilà, regardez-moi ça, le chat, magnifique. Non, par contre, du coup, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'il faut. Alors, déjà, je vais récupérer mon classe qui j'avais préparé la terre avant de semer le champ. Qui est où le classe, le classe. Et il y a le classe. Magnifique. Non, juste avant. Les moutons, les amis, il faut qu'on enlève la laine parce que sinon, malheureusement, ça produit pas. Donc, par contre, alors, ça, c'est pas là. En fait, le truc, c'est chiant parce que le problème, c'est que. On peut mettre. Enfin, ça spawn deux par deux. Donc, en fait, bah, dès qu'on dort, bah, forcément, ça en produit plus de deux. Et du coup, bah, on peut pas. Enfin, ça bloque, quoi. Donc, voilà. Hop, donc, normalement, là, c'est bon. On peut avancer le temps. Et maintenant, du coup, on est parti. Je vais récupérer mon classe. Comme ça, on va tasser le silo en silage. Hop, c'est nickel. Ah, mais. Ah, il y avait ce champ là d'ailleurs. Ah, bah, voilà. Bon, bah, les amis, il y a un problème. Parce que le truc, c'est qu'il y avait ce champ là qu'on aurait dû enlever les mauvais arbres. Il a pas été enlevé. Bon, bah, c'est pas grave. Il produira un petit peu moins. C'est pas trop grave. Et on bravo. Arrive. Bah, du coup, tu me diras. Encore, ça dit qu'il y a plus de place. Bah. Comment ça se fait? Attends, alors, mais du les coup, gars, ça rend ou quoi? Bah, mec, les moutons. Bah, en même temps, les moutons, on commence à en avoir pas mal, hein. Non, donc, mais c'est le temps, ça en fait, c'est toutes les écriteaux de la nuit en fait. Ah, oui. Et du coup, vous allez voir, amis, ce qu'a fait Dylan. Tu m'amènes une benne. C'est exact. Oui, je t'amène une benne. Par contre, vous allez voir ce que Dylan est en train de faire, les gars. C'est absolument. Genre, c'est stylé. Il fait mec, il vit. Mec, tu gères. C'est stylé. Là, attends, du coup, vous allez voir ce qu'on va faire. D'ailleurs, au passage, hein, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qu'on a faite, création du Nil. Il y aura la nouvelle version. Alors, jeudi prochain, logiquement, il y aura un vlog, nouveau vlog qui va sortir. Normalement, je vous dirais. Mais sinon, il y aura une vidéo avec Dylan. Sur la création de bah, d'une nouvelle ferme avec pas mal d'objets et tout. Donc merci à Didi qui m'a fait aussi pas mal de mods. Vous verrez tout ça les amis. Donc j'arrive Diane. J'arrive Nico pardon. What? Attends, tu peux accrocher une benne à l'ERS? What? Enfin, t'as une attache de remorque à l'ERS? Les amis, à quoi ça sert? Est-ce que genre c'est juste vraiment pour une ERS ou pour genre mettre en rouleau? Non, je sais pas à quoi ça peut servir. Bah vous savez pas? Nico ou Diane? Non. Bah non. C'est bizarre. Je sais pas si elle est fonctionnelle ou quoi, mais ouais, bizarre. Donc je t'amène ça. La petite benne qui fera plaisir. Alors lui on s'en fout. Bon, la masse, je vais juste enlever la masse parce que ça fait. Aïe. J'ai arraché le bâtiment. Hop. Et après faut qu'on avoir. Et après faut que j'aille tasser le silo aussi. Faut que j'aille tasser les silos, ça j'ai pas oublié. Sinon ça va pas le faire. Est-ce que je te. Ouais, je vais amener la grosse benne hein, parce qu'on a il risque d'avoir du rendement. En espérant. Bah pour le moment je suis assez déçu. Mais... Ah ouais? Bah après les soja ils pètent pas beaucoup trop de rendement mais ça, genre ça gagne donc. Bon, ça va. Ouais, c'est ça. Wow, attends, on a 137 000 euros. Pendant la nuit, les gars, ça a produit, hein, mine de rien. Pendant la nuit, on a réussi à avoir pas mal d'argent. Alors, regardez ce qu'a fait Dylan, les gars. Je vais vous montrer. Ce qu'a fait Dylan, c'est juste. Genre, vraiment, c'est trop stylé. Alors, je pose le tracteur là. Alors, il a mis un petit bâtiment. Oh, mec, c'est trop beau. Ça a changé un peu. Ah, ouais, mec. Attends, alors ici, c'est pour vendre la laine, forcément. Ici, des pieds de décoration. Derrière. Oh, mec, derrière. T'as c'est la décharge derrière. C'est la décharge. Ah, ouais, mais c'est effectivement. C'est le cache-misère, ouais. Tu vois. Oh, bah, t'es un canapé. J'en ai même besoin pour chez moi. voilà, ici, ça. J'ai un canapé. Et ici, du coup, en gros, c'est un petit point de vente pour. Enfin, un petit point pour genre. Bah, tu sais, tu mets des petits outils, genre la mélangeuse. Ouais, mélangeuse la mailleuse. La mailleuse. Enfin, voilà, en gros, ça peut être bien sympa. Là, je vais récupérer un gros tracteur par contre. Est-ce que le. Ah, bah, lui, t'es. Le petit Dut là qui fait plaisir. D'ailleurs, le Dut, bon, on verra encore une fois si on le vend, je ne sais pas encore.
Mais pour l'instant il ça va. Non par contre la charrue. La charrue on va pouvoir la dégager les gars. Parce que déjà un s'en sert pas. Et il faut s'acheter le. Tu sais ce bah, tu sais la vidéo qu'on a faite Dylan, on a fait, en fait on a tourné une vidéo cet après-midi. La sous-soleuse de chez de Black Sheep. Ah oui. Je pense qu'on pourrait se l'acheter parce que comme ça ça labourerait le champ. Et ça serait c'est un gros décompacteur mais qui fait les. Comme si on labourait quoi. Donc en vrai ça fait plaisir. Ouais, ouais. Donc on pourrait se l'acheter, ça vaut pas trop cher. En plus elle fait 6 mètres je crois, plus de 6 mètres, donc ça sera pas mal. On va aller du coup pousser ta ensilage et après on ira vendre du coup l'enrubanné. Tout l'enrubanné bleu qu'on voit les gars on va tout vendre parce qu'en vrai ça nous sert complètement à rien, on aura d'ensilage. Si on va en garder genre 2-3 le temps que quand même le silo ait le temps de fermenter. Même si quand même en live j'ai fait pratiquement que de ça, que nourrir les animaux, j'ai pas quoi de mélangeuse, j'ai vidé le silo à 100%. Alors le problème qu'il y a ici c'est que les gars, il faut que j'enlève. Alors attends mais. Ouais, niveau des bâtiments, c'est vrai que c'est pas bête hein. On va devoir parce que là c'est vrai que c'est chiant. On doit enlever la cuve à lisier qui cache la lame et après tu dois tout remettre. Donc attends, je vais mettre la cuve à lisier du coup dans le bâtiment où c'est qu'il y a Dylan. Je peux y aller Dylan ou ça gêne encore? Ouais vas-y. Vas-y, après on peut avancer le temps un peu parce que là, il fait pas très jour. Et voilà. Du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire les gars si ça se passe. Mais non, il y a encore les messages. Oh mais mec c'est trop. Mais mec c'est trop beau. De quoi? Mais mec il a mis des petits bois. Oh mais mec. Mais le mec gère. Mais les gars j'ai un maximum de bravo Dylan les gars. Mais non mais mec tu gères. Merci. Ah. Enfin tu gères, après ça se trouve les gens des commentaires ils vont faire mais c'est la merde en fait. Non mais attends est-ce que ça passe déjà si j'arrive à reculer en une fois, vous mettez un pouce bleu déjà de base. Oh j'y arrive. Ah, ok bon là il y a une collision qui gêne mais en vrai j'y arrive. En vrai. Voilà. Mec en vrai ça passe nickel dans le bâtiment. Bon ça dépasse un peu mais ça. Fort demande à Bail Sale. Oh, attends. Ah, mec 3 000 euros. Dis-moi que c'est chez moi s'il vous plaît. Est-ce que c'est chez moi? 3 000 euros là-bas. Non c'est pas ici, c'est chez Zero. Oh non, qui est une forte demande pour les bots. Ouais, bon, non, pas pour les. Pas 3 000 euros, c'était. Combien c'est? Attends, non, en fait, je dis une connerie. Les bots. 350. Non, Rubané. Oui, c'est ça, 350, ça va ou pas? Ça, c'est l'ensilage. Ouais, essaye au moins d'en vendre une. Attends, vas-y, je vais en vendre une. Attends, non, je récupère mon petit Ford, les gars. Mon petit Ford, il est là. Un mec, il est stylé. J'aime trop ce Ford, moi. En vrai, les gars, il est sympa, ce petit Ford. Allez, il est resté allumé toute la nuit. Excusez-moi. On va aller vendre ça. Puis après, bah écoutez, on ira surtout voir aussi comment a fait Zero, voir s'il a beaucoup de palettes de laine. Nous, j'avoue que je sais pas encore si on a beaucoup de laine, mais on commence à en avoir quand même pas mal. Alors attends, on va passer par là. Le problème, c'est qu'en fait, il faut quand même qu'on trie ce qu'on a eu dans la vidéo et ce qu'on avait déjà avant, parce que sinon, on va se tromper. On va dire, ah, c'est bon, on a fait 40 palettes alors qu'on n'a pas fait 40. Donc, faut quand même qu'on aille voir. Alors, le petit fort, on va récupérer ça. Du coup, à niveau rendement, du coup, ça va? Le champ 69. C'est celui qu'on n'a pas traité en mauvaise herbe. C'est le champ en bas là, à côté. Bah, celui le 69. Ouais, c'est celui-là. Et celui-là, il y a des mauvaises herbes. C'est celui qui a de mauvaises herbes. Malheureusement. Ouais, mais bon. Par contre, il y a les champs qui a semé vu qu'on avançait tant. Je pense qu'ils ont eu le temps de pousser, il me semble. Non, je me demande. Le champ de là-haut. Bah, il est mûr, je crois. Bah, il est mûr, mec. Je crois le champ qui va de semer, Dylan. Mais je crois qu'il a été fertilisé du coup qu'à 50%, il me semble. Ouais. Ah, mince. Non, ouais, on s'est trop concentré sur le champ où on a. Ouais, en fait, c'est ça, on voulait le bâtiment que. On a les appelé les autres. Là, voilà. Allez, let's go, les amis. On va aller vendre ça. Bon, on s'en tape tout à fait. Alors, je commence par une botte, du coup, Diane, tu dis? C'est mieux? Pour ouais, voir. Ouais, pour voir. Parce que. Non! Ah, bon, ça a pris des bottes de foin. Bon, peur, c'est pas très grave. Attends, je vais passer par là. Pourquoi je passe par là? Pourquoi tu passes là? Attends, tu penses. Non, je passe... ça passe pas là. Je vais ça fait stylé l'ensemble. Ça fait. Ouais, l'ensemble, c'est vrai que ça flash. Ça fait stylé. Et les gars, la miniature de la vidéo, ce sera ça devant le nouveau bâtiment qu'on a mis. Par contre, attends, on peut passer par où là? Attends, mais faut que je fasse le tour, forcément. Mec, attends, mais Diane, en vrai, tu décores vachement. Oh, c'est des petits détails qu'on. Ah, il y a de l'herbe sur la route. Ça, c'était moi qui l'ai mis, par contre. Faut que je l'enlève. Par contre, est-ce qu'on peut faire. Ah non, il n'y a pas de route. Je pensais qu'il y avait une petite route pour rentrer ici. Bon, du coup, la route, elle est là. Hop là. Alors, les amis. Bon, je commence par une botte. On va essayer de voir comment. Qu'est-ce que ça va donner? Donc du coup, U, Y. Waouh, pourtant tu fais la gueule. Hein. Effectivement, ça pèse des bottes. Donc, alors attends les gars. Oh, 1398 euros la botte, ça va ou pas? Ouais, bof, non. Bof? On attend? Non. Bon, attends, ok, vas-y, ouais, on attend. Ouais. Alors, attends, on recharge ça. Logiquement, c'est 2000-2500, donc bon. Ah ouais, ok, bon d'accord. Bah écoutez les gars, du coup ce qu'on fait, on a forcément un nouveau bâtiment, on va s'en servir, on range les bottes dedans. Pour aller vendre en live si jamais ça. Ouais, ce soir en live les amis, on aura souvent avancé le temps, donc on vendra les bottes. Mec, ce bâtiment il est beaucoup trop grand, mec, ça va être trop bien pour ranger des bottes. Hein. Bon, on a vu, on va faire des rangements comme jamais. Alors, comment on fait? B, Y. Bon, pour l'instant, je décharge ça là, on s'en fout. Hein. On rangera jamais plus tard. Donc là les amis, on va tasser vite fait. C'est qui? Ah, c'est Borom, ah oui, Borom qui travaille du coup. Mec, c'est quoi son andin énorme là? Mais what?
Mec, il a des andins. En fait, non, ils sont pas si gros que ça. Je pensais que c'était énorme, mais en fait, non. Oui, du coup, alors je vais tester ça, les amis. Et après, du par contre, ce qu'on va faire, ce que je finirai par décorer un petit peu. J'ai pas mal de décorations avec des spots lumineux. Et en vrai, je trouve que c'est vachement stylé. Donc je pense qu'on va essayer de faire ça. Bon, ça y est, les amis, j'ai réussi à tasser le silo en 6h30. Non, on va dire que c'était. Non, j'ai mis longtemps en vrai. Du coup, on le recouvre, donc ça c'est ok. Nico, du coup, t'as du rendement ou pas? Que je regarde un peu. Bah écoute, déjà la parcelle a un coup là. En plus. Elle est torchée la parcelle. Hein ouais, la parcelle est torchée, ouais. Ouais, nickel. Dylan, du coup, ah oui, alors Dylan, attends, j'arrive. Dylan a fait de la déco de fou. Et du coup, il fait la laine. En gros, on va aller vendre du coup la laine avant de. Bah, du coup, avant le défi. Mais du coup, prends pas tout, non? T'as pris tout ou pas? Ouais, mais laisse ça. En vrai, voici ça. Non, mais laisse tout là. Parce que là, les palettes qui nous restent, genre, ça compte pour le défi là. J'en ai enlevé deux, au moins deux, trois, mais c'est bon. Comme ça, on est ok. Là, on est où? Une dernière quand même. Bah, il y en a une à côté ou pas? Non, c'est bon. Bah, allez, vas-y, une dernière, au pire, on s'en fout. Et du coup, on va aller vendre. Le plateau en entier. Ouais, vas-y. Comme ça, on est bon. Mec, ça se voit que c'est Dylan qui charge. Vous avez vu mes plateaux? Il dit ce Dylan. Bon, allez, c'est bon. Ouais, attends. Ouais, c'est bon, nickel. Attends, allez, let's go, les amis! Mec, c'est énorme! Bon, est-ce que je sais pas si le prix est élevé par contre? Je sais pas du tout. Hop. Tu sais si le prix est élevé? Ouais, je vais te dire ça tout de suite. On va voir. Bon, mais les gars, je trouve que l'ensemble, mec. On a fait, mec, la vidéo, je trouve qu'elle a décoré de fou. Un nouveau tracteur, on a la laine à vendre. En tous les cas, on la vend. Le nôtre, c'est lequel? C'est le premier ou le deuxième? Trop tard. Bon, moi, j'ai fini la partie. Est-ce que ça dit 1006 ou 1059? Là, je suis à 12 000. Le plateau? Attends, j'ai pas fini. Mais en gros, je vais être à 15 000 à peu près. D'accord. Eh bah, tiens, j'ai fait 98% de trémie. C'est. Ouais, c'est moyen, hein. Bah, non, ouais. Mais ce qui est fou, c'est que. Enfin, ça va. Plus, quoi, parce que... Hop. Ah, bah, attends, tu parles de quoi? Ta moisson, t'as fini du coup? Ouais, en une parcelle, 98%, 11 tonnes, 382. Ça va? Bon, non, en vrai, ça va. Je pense. Hein. En vrai, je pense que c'est parce que 11 tonnes, la trémie. 11 tonnes, ouais, ça va, ça va faire l'affaire. Mais écoutez, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter. On a fait quand même un bon truc, hein, les gars. Du coup, je rappelle que je serai en live ce soir. Donc, on finira de moissonner les autres champs. On s'occupera bien sûr de nos animaux. Et si le prix est élevé, on revendra des bottes. Dans tous les cas, on va refaire un ribonné. Parce qu'on a, il nous en faut plus pour de la thune. Parce que le défi du million, en vrai, on est loin, les gars. Donc, faut qu'on y arrive. Même si ça va être compliqué. Et surtout, alors, ce qu'on fera, c'est qu'on verra si. Oui, on est loin. Ce qu'on fera, c'est qu'on essaiera de voir si on achète plus de moutons pour produire plus. Mais on. Bah, voilà. Soit on réussit le défi des moutons. Et du coup, on perd de l'argent en achetant des moutons. Soit on garde l'argent et on perd le défi. Donc, on essaiera de voir ce que ça donnera. Voilà. Mais écoutez, les gars, direction la ferme de Zero. Et bien sûr, la ferme de Borom. Voir ce qu'ils ont fait dans la vidéo. Ok, donc les amis, on est donc dans la ferme de Zero devant son magnifique casillage. Un mec, il est en black. Mais c'est un nouveau tracteur ou quoi celui-là? Non, on a deux cases en fait, on a celui-là et un normal. Il est stylé en black édition. Et du coup, qu'est-ce que t'as fait dans la vidéo? Du coup, dans la vidéo, j'ai moissonné presque tous les champs. Il reste plus que celui-là et un autre derrière toi. Okay, ouais. Je vais aller vendre une benne, je pense, juste à la fin du tournage, vite fait. Pour arriver à 600 000 euros. Là, du coup, j'ai vendu un peu de la laine. J'ai vu qu'elle était en forte hausse. Du coup, ça, c'est la laine hors défi, hein, je parle. Ouais, nous aussi, on a vendu toute la laine qu'on pouvait. Et hors défi aussi. Et là, défi, elle est là pour le moment. Pour le défi, vous avez fait pour l'instant. On a là. Parce qu'il y a stock que 2 du coup, à chaque fois. Ouais, c'est chiant ça stock. Ouais, nous aussi, on a pendant la nuit, genre par exemple, ça fait que des messages. Mais d'accord. Et ensuite, du coup, j'ai fauché de l'enrubanage. J'ai dû faire 17 bottes. C'est bien, en gros, ça va. 29 000 euros, je crois. D'accord, ok. Vous avez un bon prix. Ouais, je comprends. Ok. D'accord. Mais écoute, nickel. Pas d'achat dans la vidéo. Non, rien. Et pour l'argent, du coup, t'as combien d'argent pour l'instant? On est à 573 000, on sera à 600 000 euros. Ouais, avec les ventes. Ok, bon, nickel. Mais écoute, on va voir la ferme de Jérémy, où c'est qu'il y a Borom. Ok, donc les amis, du coup, et donc dans la ferme de Jérémy, où c'est que du coup Borom a travaillé dedans, du coup, qu'est-ce que t'as fait dans la vidéo? J'ai moissonné le champ 55, 54, 37. Et du coup, tout ça c'était moissonné. Et après, vu qu'il y avait déjà une fauche était déjà faite. Ok, dans ce champ-là. Du coup, j'ai recoupé, j'ai endonné, j'ai pressé là. Ah ouais, parce que j'ai vu quand je suis venu, il y avait un andin qui était énorme, je me suis dit, c'est pas. Ouais, d'accord, ok. Okay. Il y avait déjà une ou deux coupes de fête et j'ai dû en refaire une. Donc, okay. Et là, du coup, tu fais de l'enrubané? Ouais, je vais faire de l'enrubané, ouais. D'accord, ok. Enrubané blanche, plus ou moins, ouais. Ou les bleus, plus ou moins 27 bottes là. Ok, ouais, d'accord. Mais écoute, tu vas te faire de la thune. Et t'as combien d'argent dans la partie? J'ai regardé, t'as. Là, on a 366 000. Ah bah, c'est que nous qui sommes dans la merde. Quoi. Ok, bon, nickel. Mais écoute, nickel, mais venez voir du coup ce qu'on a fait dans ma ferme. Du coup, dans la vidéo, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fini de semer avec Nico. On a fini de moissonner aussi, je crois. Ouais, là, bah, non, pas tout, mais une bonne partie, ouais. Enfin, un gros champ. Wow, du coup, t'as fait aussi la mauvaise herbe. Ouais, je peux rester de mauvaise herbe. T'as vendu aussi les chevaux, je crois, pour 100 000 euros. Alors, ouais, mec, on a vendu pour 97 000 euros de chevaux. Enfin, en vrai, mec, c'est nickel. Donc, en vrai, on se fait pas mal d'argent. Voilà. Et on a placé ce bâtiment aussi.
Et bah du coup on verra si on en reprendra. Ou bien vous me direz en commentaire, on verra ça en live. Voilà, bah du coup nouveau bâtiment on a fait aussi. C'est ouais, ça, nouveau c'est bâtiment, dire, un petit peu de décor. Ouais mec, attends, mec les gars, regardez Dylan comme il a décoré mec, c'est trop beau. Il a mis ce petit bâtiment au fond. Mec, des roues, des trucs de partout, des sapins, de n'importe quoi. Enfin, je sais pas, c'est vraiment stylé. Donc voilà. Et après, qu'est-ce qu'on a fait d'autre on a vendu de la laine. On a vendu la laine. Ouais, voilà. Et on a. Ah oui, le Ford. On a acheté un Ford. Ah oui, le Ford. Ford oui. Il est là. On a acheté un petit Ford bien sympa ici. Du coup, on a vendu le Renault. Hein. Le Renault qui était pas bon. En fait, il était stylé, mais il nous coûtait cher. Et au final, lui, il est mieux parce qu'il est vachement plus puissant. J'aime bien le relevage. Ouais, le relevage est joli. Donc, un petit Ford. Bon, malheureusement, faut pas lui mettre des masses trop grosses. Ah, il y a un bibendum Michelin, j'avais pas. Ouais, j'ai mis du bibendum. Donc on a fait ça okay. Et après ben voilà dans ce qu'on a fait. Et j'ai recouvert le silo en silage ouais, voilà. Et voilà ce qu'on a fait dans la vidéo. Du coup les amis merci du coup à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à laisser le maximum de likes. Du coup vous verrez on essaiera, j'essaierai de faire un live du coup ce soir pour un petit peu continuer ce qui est pour le défi de finir la moisson etc. Donc voilà merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est Starview et toute la team, à la prochaine les gars. Allez ciao tout le monde. Ciao tout le monde.